croyez m'avoir, hein, vraiment. Ces griffes ont l'air de servir à accrocher le vaisseau à un bâtiment. Les guettes se moquent des atterrissages en douceur. Comment couper l'alimentation si elle provient du vaisseau? Il nous faudra un moyen de le bouger. Vérifions les autres griffes. Il y a forcément une faille quelque part. Je sens. C'est presque serein ici. Vous croyez que les guettes utilisaient cette pièce comme un genre de temple? Ouais, bref, je suis pas là pour faire de l'anthropologie. C'est presque serein ici. Vous croyez que les guettes utilisaient cette pièce comme un genre de temple? Ouais, bref, je suis pas là pour faire de l'anthropologie. Comme one shot. Voilà. Oh merde. Je le savais. Dès que j'ai bien approché, je me suis dit, oh merde, faut que je me casse d'ici, sinon je vais me... Ces griffes ont l'air de servir à accrocher le vaisseau à un bâtiment. Oui, blablabla. Les guettes se moquent des atterrissages en douceur. Comment couper l'alimentation si elle provient du vaisseau? Il nous faudra un moyen de le bouger. Vérifions les autres griffes. Il y a fort. Alors, commando. La protection. Terrus. Je vais mettre des armures médicales. C'est presque serein ici. Vous croyez que les guettes utilisaient cette pièce comme un genre de temple? Ouais, bref, je suis pas là pour faire de l'anthropologie. C'est pas de l'anthropologie, c'est de la xénologie. Anthropos, c'est l'homme. Alors là, c'est pas des hommes. Ah merde! C'est pas produit. Et... C'est fort cette arme, franchement elle est trop forte.
Merde, 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 merde. Non, non, non. Non, bâtard, non, bâtard, non, bâtard. Merde, c'est Garrus, putain. Oh, j'ai tiré sur Garrus. J'ai peur. Voilà. Ah, j'ai tiré sur Garrus. Il m'avait fait peur l'autre là. Quelques secondes de téléchargement plus tard, les plantes de Gavin Russell sont dans votre possession. Les femmes. Naginata 7! Yes! J'ai une Naginata 7 du coup. Ça quelque chose maintenant. Ah ouais, il est bien mieux. Oh, ah ouais! Cool. Dégâts plus 26%, bah oui. Absorption de chaleur. Rien de faire des dégâts, ouais, bon. Bon, vas-y. Il y a un Rick and Z. Mais là, j'ai une nugget. Oh oui! Merde, là-bas, là. Ah, j'ai pas. Ah, j'ai raté. Tellement fort cette arme. Allez, exaucé. Oh, sérieux? Confidentiel. Les sujets des tests devraient être là depuis 3 jours. Or, nous sommes sans nouvelles de la colonie ou de transporteurs. Par crainte d'une libération des sujets, nous recommandons de couper tout contact avec Nodacrux, même si cette colonie était découverte, personne ne pourrait remonter jusqu'à nous. Cette griffe est identique à la précédente. Continuons. Thank you.
je le one shot là. Tirer une sorte de laboratoire, commandant. J'aurais préféré une arme. Mais l'essentiel, c'est de détruire une griffe pour faire dégager le vaisseau. Ouais. Bonne arme. Vous trouvez une demande de réparation collée à la console. Cette saloperie de porte de la baie d'amarrage est encore bousillée. Tant qu'on reste au-dessous de 207 kPa, tout va bien, et au-dessus de 234, le frein de sécurité bloque le mécanisme. Entre 207 et 234 kPa, la porte se referme assez violemment pour couper net une porte en acier. Réparez-moi ce bordel avant qu'un de mes gars se fasse charcuter un bras. Ah, attends. Ah. T'as des maths là? Ah non, il y a marqué pression normale. En bas à droite, bah vous voyez pas mais... D'accord. Ça va être trop là. Formidable, commandant. Les champs de force sont désactivés. Allons régler son compte au Taurien. Une bonne petite fête d'ultra-violence. J'adore. Ne criez pas victoire trop tôt. Il doit rester quelques guettes dans la base. Répondez, commando. Ici, Normandie. C'est vous, Joker? Qu'est-ce qui se passe? Commandant, j'ai verrouillé le vaisseau. Les colons commencent à... Enfin, il y a quelque chose d'étrange. Ils sont un peu... agités. Vous n'avez rien à craindre. Restez en stand-by le temps qu'on arrive. À vos ordres, commandant. Au fait, tant que je vous tiens, les transmissions guettes fusent dans tous les sens. On part, mais d'abord on va déloger ces foutus synthétiques de cet endroit. Ah. T'as pas mieux du coup? Pas eu des armes de ouf? Ah si. Là j'ai eu. J'ai déjà le... Ah, j'ai oublié de mettre. Ah mais il y en a déjà. D'ailleurs je vais mettre un 6. Stabilisateur. On a mis 4 encore? J'ai pas mis? C'est mieux ça quand même. On dort 5. On a 5. On a 6 ici. On les heures 5. Journal personnel du docteur Gamorl.
Je me méfie de Cerberus. C'est vrai qu'il nous paye bien, mais si ça dérape avant qu'on ait trouvé un antidote, nous verrons à quoi leur servent ces prélèvements ou pourquoi ils voulaient qu'ils soient livrés dans le système Matano. Les fichiers ne mentionnent rien de particulier sur cet endroit. Cerberus. Bah tiens. Là pour l'instant, on sait pas qui c'est. Hein. Vous voilà. Ne restons pas ici, ça n'a pas l'air très sûr. Vous m'aviez dit ne rien connaître sur le Taurien. Je n'aime pas qu'on me mente. J'étais terrifiée. J'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Mais on m'a répondu que si je m'acharnais, je serais la prochaine sur la liste. Quand les guettes ont attaqué, je suis restée ici pour envoyer un message aux affaires coloniales. Je voulais leur dire où trouver le Taurien, mais le courant a été coupé avant que j'aie eu le temps d'envoyer le message. J'ai essayé de les en empêcher. Où est le Taurien ? En dessous de Zeus Hope, mais l'entrée est bloquée. Les colons ont fait atterrir le transporteur sur l'entrée juste avant l'attaque des guettes. Mais qu'est-ce que les guettes viennent faire là-dedans? Pourquoi Saren s'intéresse-t-il aux Tauriens? Sans doute pour ses capacités de contrôle mental. Sans blague. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogénie. Normandie à commando. Vous me recevez? Que se passe-t-il, Joker? Je capte pas mal de transmissions guettes. Ils se dirigent vers vous, on dirait. Merci, Joker. Vous avez entendu, ce n'est pas le moment de traîner ici. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait. Allez, on va pousser du guet. Accélère. Derrière. Oula oula. Bah non. Mort. C'est une blague. C'est une blague. Parce que le Mako il est. Ah non mais sérieux. Comment à cause des ennemis en plus. C'est ça le pire. Donc, je suis mort. Ah parce que je suis tombé. En fait, il y a un point rouge dans. Dans la. Non, putain! Dans la map. M'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Éloignez-vous de cette radio! C'était quoi ça? Ici Juliana Benheim de la colonie Féroce. Ceci est un SOS. C'est ma mère! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous!
Ne faites pas ça, Jong. Que tout le monde se taise! Laissez-moi réfléchir! Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Faites-la sortir! T'approches pas d'elle, espèce d'enfoiré! Lisbeth! Sortez! Sortez de là que je puisse vous voir! Tout le monde! Ben, vous voilà. Je commençais à espérer que les guettes vous avaient fait la peau. La base de données Exogénie m'a appris des choses intéressantes sur vous. Je sais ce que vous avez fait sur Torfan, mais je préférerais éviter les effusions de sang. Qu'est-ce qui se passe ici, Jong? Les transmissions viennent d'être rétablies. Cette colonie est devenue trop gênante pour Exogénie. Mais enfin, réfléchissez, Jong! Vous ne pouvez tout de même pas nous traiter comme des machines! Il ne s'agit pas de vous. Il y a sur cette planète quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une poignée de colons. Vous voulez leur parler du Taurien vous-même ou je m'en charge? Le quoi? C'est une créature télépathe qui vit sous Ushope. Elle prend peu à peu le contrôle des colons. Exogénie est au courant depuis le début. Vous allez nous le payer, Jong. Ça, c'est vous qui le dites. Personne ne viendra pleurer sur votre sort, croyez-moi. Oh non, j'ai pas accès au truc. Ça suffit, vous allez trop loin. Très bien, vous l'aurez voulu. Ah bah oui, mais gros. mais oui. Fallait pas menacer Shepard en fait. Si les guettes et le taurien ne suffisaient pas, bah il faut encore qu'on se batte entre nous. C'est ma faute. J'étais au courant. Mais gros, de fallait tout, pas menacer Shepard en fait. Je n'ai rien fait. Pas de ça avec moi, jeune fille. Tu as fait de ton mieux, tu le sais. Et maintenant, commandant? Je dois découvrir pourquoi les guettes en ont après le taurien. Les colons ne vous laisseront pas approcher du taurien. Ils sont sous son emprise. Ils mourront pour le protéger. S'ils se mettent en travers de mon chemin, je les abattrai. Il doit bien y avoir un autre moyen! Je crois que j'ai trouvé. Vous pourriez utiliser un agent neurotoxique bénin pour neutraliser les colons. Une grenade incapacitante, par exemple! Balancer du gaz neurotoxique un peu partout ne me semble pas être une très bonne idée. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous fera pas grand mal. L'insecticide que nous utilisons en laboratoire contient de la tétraclopine, un agent pouvant provoquer une dégénérescence neuromusculaire. Sur un système nerveux affaibli, ce produit aurait un effet incapacitant. Si vraiment on doit en passer par là, on pourrait modifier nos grenades étourdissantes. C'est une bonne idée. Je ferai tout mon possible. Formidable. Merci, commandant. Ce gaz anti-taurien sur vos grenades afin d'incapaciter les colons infectés à les tuer. On restera en arrière jusqu'à ce que vous ayez dégagé un chemin. Bonne chance. Gaz anti-taurien. Déjà de retour? Vous avez retrouvé ma console? J'ai retrouvé les données et je les ai téléchargées dans votre DSO. Formidable! Merci pour tout. Vous me donnez les crédits et je me tire, point. Bien sûr. Merci de votre aide, commandant. Merci encore. Ces données me seront très précieuses dès que je serai parti d'ici. Essayez de ne pas blesser les colons. Servez-vous du gaz incapacitant que je vous ai donné. Il va être temps, je le sens. Peut-être qu'on peut encore libérer nos amis après tout. Je dois les aider. Mais sérieux quoi.
c'est pas gentil. Dégagez. Oula. Mais non. C'était quoi ce monstre? Ça n'avait rien d'humain en tout cas. Interdiction de blesser les colons, même si le taurien les force à nous tirer dessus. Servez-vous de vos grenades incapacitantes. Bien compris, commandant. Allons-y. Mobile. Pas de grenade là. J'ai pas de grenade là hein. Ils vont tous mourir hein. J'ai pas assez de grenade. Hein. Ah bah là j'ai plus de grenades donc il va falloir faire. Merde, c'est bien aussi. Étigeal déployé. Il y a un moment, j'ai plus. Ah, c'est bon. Je vais en sauver 6.
Même moins, un peu moins parce que j'ai pas assez de... Merde. C'est vous là. Voilà. Voilà. Eh maintenant je peux compter la grosse. J'essayais de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Il veut que je vous arrête. Je refuse. Oh non! Eh bah... RIP Aidan, hein.